America is back. Nous sommes deux vieilles nations dans le monde. Le Royaume-Uni et la France. لن يتحقق لكم سلام بالعدوان وإن هذه الدماء بالروح بالدم تكون لعنة عليكم نفديك يا أقصى إن المعركة ليست معركة فرد وليست معركة جيش وإنما هي معركة شعب ومعركة أمة بأسرها بيوتكم في انتظاركم مساجدكم في انتظاركم كنائسكم في انتظاركم فهم لكم ولأولادكم Vous écoutez l'Histoire en Marche, un programme réalisé par Jalil Akhdar, coordonné par Sami Hahel et Marim Abdou, pour vous accompagner au micro. Le 20 mai, le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, a réclamé des mandats d'arrêt contre, notamment, Benjamin Netanyahou et son dit ministre de la Défense pour des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis dans la bande de Gaza. Réagissant à cette mesure, la Chambre des représentants au Congrès américain a voté mardi en faveur d'un projet de loi qui instaurerait des sanctions contre des membres de la Cour pénale internationale. Selon le texte proposé, toute personne ayant offert une assistance financière, matérielle ou technologique au tribunal sera sanctionnée. La démarche n'est pas nouvelle. En 2018, John Bolton, conseiller à la sécurité à la Maison-Blanche, promettait des mesures contre les magistrats de l'AE en cas d'ouverture d'une enquête contre des ressortissants américains ou contre Israël, disait-il. Nous allons interdire à ces juges et procureurs d'entrer aux États-Unis. Nous sanctionnerons leurs fonds présents dans le système financier américain et nous les poursuivrons dans notre système de justice pénale. On fera de même pour toute entreprise ou État qui aide toute enquête de la Cour pénale internationale sur des Américains. Avec nous en ligne, M. Anwar Nour Mahamat, merci d'accepter notre invitation. Vous êtes juriste, spécialiste en droit international auprès des juridictions et des tribunaux internationaux. Monsieur Anwar Nour Mahamat, je disais tout à l'heure ou à l'instant, la démarche engagée par le Congrès américain n'est pas nouvelle. Toutefois, le contexte serait-il différent? Déjà, il faut savoir que nous sommes dans un contexte qui est un contexte tout à fait de crise du droit international pénal, parce que nous savons que les États-Unis ne font pas partie ou bien n'ont pas ratifié la Convention de Rome. Cette convention-là qui fait en sorte que la Cour pénale internationale ait la compétence pour juger un certain nombre de crimes internationaux, c'est-à-dire les crimes qui sont graves pour les violations des droits de l'homme. Et les États-Unis, ne faisant pas partie du statut de Rome, ils font en quelque sorte une entrave pour l'application du statut de Rome. Et ensuite, il y a aussi la question des menaces qui sont toujours adressées à l'encontre de la Cour pénale internationale, notamment les dirigeants. Nous avons vu qu'il y a eu le procureur de la Cour pénale internationale, M. Khan. Oui. Ils ont parlé avant le déclenchement du mandat d'arrêt. Nous allons sûrement revenir sur la question des mandats d'arrêt qui sont normalement édictés à l'encontre des dirigeants israéliens et aussi les leaders du Hamas. Oui. Et il y a une forme d'entrave au bon fonctionnement et au bon déroulement des prérogatives de la Cour pénale internationale. Et il convient de critiquer cela et de faire une lecture critique vis-à-vis de cette situation. Quelles sont les mesures que peut engager la Cour pénale internationale à l'encontre de ces acteurs politiques qui menacent le procureur de la Cour et qui menacent la Cour, qui mettent un frein ou qui tentent de freiner les procédures judiciaires? Oui, bien sûr. Déjà, il faut savoir que la Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt international à l'encontre de Benjamin Netanyahou et également aussi à l'encontre du ministre de la Défense d'Israël. Ce qui veut dire qu'en sorte, la Cour pénale internationale est dans une suite logique de la procédure judiciaire ou juridique qui a été déjà
intentée par l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice et que la Cour internationale de justice, la CIJ elle-même, avait au début, dans les premières arrêts de mesures conservatoires, ils ont dit qu'il y a un risque grave de génocide sur le territoire palestinien. Oui. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, sur la base légale de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, la Cour pénale internationale a, en vertu du statut de Rome, notamment d'émettre un mandat d'arrêt en l'encontre d'un certain nombre de personnalités qui sont impliquées dans un certain nombre de crimes qui sont aussi graves comme ce que nous voyons, le crime de guerre et le crime contre l'humanité qui se passe actuellement à Gaza. Et on parle même de crime de génocide. Et actuellement, au-delà même de Gaza, vous savez, il y a eu l'élargissement de ce conflit-là et de ces risques jusqu'à Rafah. Ça, c'est vraiment scandaleux du point de vue humanitaire. Oui, alors, les États-Unis disent ne pas faire partie du statut de Rome et disent vouloir protéger tous les États alliés de Washington, évidemment. Est-ce que ceci pourrait t'engager une quelconque démarche judiciaire, monsieur Anwar Nour Mahamat? La Cour pénale internationale, du point de vue juridique, dans son statut, ne peut pas juger par contumace. Parce que nous savons qu'actuellement, il y a une faille dans le système juridique et dans le système judiciaire international. Parce que du moment où on dit qu'on va juger un certain nombre de personnes qui ont commis un certain nombre de crimes qui sont graves, et qu'il n'y a pas une possibilité de juger par contumace, le mandat d'arrêt reste en quelque sorte symbolique, parce que vous savez que la Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt à l'encontre de Vladimir Poutine, le président de la Russie. Ce qui revient à dire que les procédures judiciaires actuellement, même si ils ont un caractère fortement intéressant du point de vue de la procédure, elles demeurent aussi un peu symboliques. Précisons toutefois qu'en Palestine occupée, il s'agit d'une occupation et que l'Organisation des Nations Unies reconnaît le droit des peuples occupés à se défendre. C'est une précision tout de même de taille, monsieur Anwar Mahamat Nour. Oui, effectivement, c'est une précision de taille, mais la communauté internationale aujourd'hui, elle est à l'encontre de l'Israël et à l'encontre des crimes qui sont commis par l'Israël, parce que vous avez vu aujourd'hui récemment sur la scène internationale, il y a eu plusieurs États qui ont reconnu la reconnaissance juridique de l'État de Palestine, notamment l'initiative d'un certain nombre d'États. Oui. Et donc aujourd'hui, les États-Unis ont donné le soutien historique, un lien fort et historique entre les États-Unis et l'Israël. Et donc la Cour pénale internationale ne peut pas poursuivre les citoyens américains qui ont commis un certain nombre de crimes parce que les États-Unis ne font pas partie du statut de Rome. C'est ça. Ensuite, les États-Unis et les acteurs politiques, notamment les républicains, qui sont vraiment très rigoureux sur cette question-là et qui soutiennent toujours Israël, disent que même les alliés des États-Unis ne peuvent pas être poursuivis et jugés, alors que le système judiciaire international est mis en place pour juger un certain nombre de crimes, comme les cas de crimes de guerre, les cas de crimes contre l'humanité, les cas de crimes de torture, en général les crimes de jus cogens qui sont commis, c'est-à-dire qui sont en violation des normes impératives du droit international, et également du droit international humanitaire, et aussi du droit de la guerre. Donc, il y a un certain nombre de questions où la Cour pénale internationale et les juridictions internationales, ils sont compétentes pour juger donc les personnes sur un certain nombre de crimes. Mais sur le cas du conflit israélo-palestinien, il y a toujours une forme de réticence. C'est la justice internationale. Oui, j'allais rajouter, c'est la justice internationale qui est mise à mal, monsieur Anwar Nour Mahamat. Benjamin Netanyahu a demandé au président américain d'empêcher l'émission de mandat d'arrêt par la Cour pénale internationale. La porte-parole de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré que les États-Unis ne soutenaient pas, je la cite, ne soutenaient pas l'enquête de la CPI contre Israël, dira-t-elle. De multiples sources indique que ces mandats d'arrêt ne seront pas effectifs sans le feu vert des États-Unis. Est-ce que ce n'est pas la justice internationale qui est mise à mal? Madame, vous avez tout à fait raison de dire que la justice pénale internationale, le système judiciaire international, n'est pas seulement mis à mal, il est remis en cause. Oui. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, il y a un certain nombre d'États sur la scène internationale qui sont très puissants, qui sont très forts et qui ne respectent pas les normes même du droit international, les normes qui sont édictées
pour régir les relations entre les États, les relations également en ce qui concerne le respect d'un certain nombre de questions qui sont relatives aux droits de l'homme. Donc il y a des États qui sont puissants, qui ne respectent pas les droits de l'homme, et on dit qu'il y a la justice internationale à côté qui est mise en place, mais les États forts ne respectent pas d'abord les procédures qui sont déclenchées, comme par exemple les mandats d'arrêt, comme les enquêtes, par les juridictions internationales. Et ensuite, quand ces juridictions internationales sont dans une démarche d'enquête, dans une démarche logique, et je dirais même juridique et judiciaire, d'intenter des procédures, les États forts, comme les États-Unis d'Amérique, et oui, également comme un certain nombre d'États européens, parfois ne sont pas d'accord, et le système judiciaire international est remis en cause par ces faits-là. Et donc, on dit que le droit international est le droit qui régit et qui réglemente les relations internationales sur la scène internationale et les relations entre les États, mais il y a un décalage entre des États forts, entre des États puissants et entre des États faibles, entre des peuples qui sont opprimés, entre des droits de l'homme qui sont violés, oui, et que on ne permet pas à la justice internationale de réagir, ou bien on fait des entraves à l'encontre de la justice internationale. Donc vous voyez, madame, le droit international, le système judiciaire international, oui, théoriquement, il existe. Les textes, ils sont là. Oui. Les traités internationaux, ils sont là. Les statuts, que ce soit le statut de Rome ou bien les statuts des juridictions internationales, ils existent. Mais dans la pratique, il y a un certain nombre d'entraves, il y a un certain nombre de limites qui sont inhérents à un certain nombre des États qui refusent parfois d'adhérer à un certain nombre de normes de droit international. Et même s'ils ont adhéré, on ne peut pas les contraindre à respecter. Parce que vous voyez, la justice internationale n'a pas ce caractère coercitif. C'est-à-dire que la justice internationale, ce n'est pas comme la justice étatique, oui, où il y a une force au-dessus des États qui dit à tous ces États forts et puissants ou à tous ces États qui ne respectent pas les droits de l'homme sur la scène internationale, il n'y a pas une force coercitive qui dit à ces États qu'il faut, par la force des choses, respecter le droit international. Pardonnez-moi, mais la juridiction internationale, par la force de ses lois, peut être coercitive. Les lois sont coercitives quand celles-ci doivent être appliquées, quand celles-ci sont appliquées. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est ce qu'on étudie dans les amphis de droit et dans les livres de droit international chaque jour. Mais il y a un problème dans la pratique. Et le problème dans la pratique, c'est que les États, ils sont souverains. Et la souveraineté des États est une entrave à l'application du droit international. La souveraineté des États est une limite, est une entrave pour respecter les normes impératives du droit international, les normes de jus cogens, les normes du droit international des droits de l'homme, les normes du droit international humanitaire, et même les normes du droit de la guerre, mmh, et les normes élémentaires qui concernent toute l'humanité dans son ensemble. Et donc, la justice a théoriquement une forme de force coercitive, et les décisions des juridictions internationales, comme la Cour internationale de justice, ou même les décisions des tribunaux pénaux internationaux, comme la Cour pénale internationale, ce sont des décisions, quand ils sont rendus au final, qui ont une force obligatoire, bien sûr. Oui. Le problème, c'est que les États, ils sont souverains. Oh, et la souveraineté est un frein. Alors, outre cette souveraineté qui constitue un frein, pour vous reprendre, M. Anwar Mahamat Nour, il y a une ingérence flagrante dans le travail du procureur de la Cour pénale internationale. Il y a également des tentatives d'intimidation gravissimes. Est-ce que ceci constitue également un frein? Bien sûr que ceci constitue un frein. Ceci constitue un frein d'autant plus, beaucoup plus grave que la souveraineté. Alors parce voilà. Que la souveraineté, le procureur. Est un attribut de l'État. Voilà. La souveraineté est un attribut de l'État, mais faire des intimidations, faire des ingérences dans le fonctionnement des organisations internationales et également des juridictions internationales, oui, est un frein beaucoup plus grave et même, je dirais, scandaleux. Oui. Pour le cas de la Cour pénale internationale, les intimidations et les menaces ne datent pas aujourd'hui. Souvenez-vous, la procureure de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda, oui, a été plusieurs fois intimidée. Oui. Le procureur actuel, M. Khan, il est intimidé. Et nous savons tous les sources de cette intimidation-là. Mmh. Et le problème, c'est qu'on empêche les juridictions internationales de faire leur travail. Comment expliquer le fait que le procureur ne puisse pas réagir? Est-ce que le procureur n'a pas
les outils nécessaires pour se protéger contre ces intimidations? Écoutez, mais c'est aussi ça un peu le paradigme qui est tout à fait relativiste du droit international pénal. Parce qu'aujourd'hui, on dit que ces juridictions internationales, notamment la Cour pénale internationale qui est basée à La Haye, ils ont ce qu'on appelle les immunités. Parce que dans les accords de siège entre la Cour pénale internationale et l'État de Pays-Bas en Hollande, à La Haye, nous voyons qu'il y a un certain nombre de prérogatives qui sont accordées aux dirigeants ou bien aux personnes qui dirigent ces juridictions internationales, notamment aussi les juges, notamment également les greffiers, notamment le procureur de la Cour pénale internationale, et également tout le personnel de cette juridiction internationale. Et aujourd'hui, on prolifère des menaces à l'encontre de ces personnes. Et on prolifère également des intimidations, parfois qui sont écrites. Nous avons vu, il y a un certain nombre d'intimidations. Et aujourd'hui, à travers le vote, bien cette tentative de premier vote au niveau de la Chambre des représentants américains par les sénateurs républicains, qui sont des ultra-droites, on peut dire, et également des conservateurs en ce qui concerne le manque d'ouverture ou du respect du droit international. Oui. Et il y a un certain nombre de lobbies, donc pro-israélien qui est au Sénat, et nous tous nous le savons. Mais empêcher le fonctionnement et le déroulement des juridictions internationales comme la Cour pénale internationale est un scandale à caractère international. Mmh. La Cour pénale internationale, la Cour internationale de justice, les deux cours aujourd'hui font face à, on va dire, à des cartels bien plus dangereux que les cartels existants aujourd'hui poursuivis en Amérique latine. Monsieur Anwar Mahamat Nour, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Merci beaucoup, monsieur. Merci, madame. Anwar Mahamat Nour est juriste spécialisé en droit international, du contentieux international, de l'arbitrage international auprès des juridictions et des tribunaux internationaux. Les États-Unis annoncent un projet de résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies pour soutenir l'accord de cessez-le-feu à Gaza présenté par le président Joe Biden. La proposition envisage un accord en trois phases qui aboutirait à un processus pluriannuel de reconstruction de l'enclave côtière gravement endommagée et au retour de tous les prisonniers vivants ou morts détenus dans la bande de Gaza. Il existe un consensus clair autour d'un certain nombre de priorités partagées. En premier lieu, la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat et durable avec la libération des otages. Nous avons travaillé, comme vous le savez, avec l'Égypte. Nous avons travaillé, comme vous le savez, avec l'Égypte, le Qatar et Israël pour mettre sur la table une proposition forte. Le Hamas a répondu. En parallèle, les négociateurs continuent de travailler, les écarts se réduisent et nous continuons à faire pression pour parvenir à un accord à Doha. Il y a encore du travail, ce sera dur, mais je continue de croire que c'est possible. La semaine dernière, l'Algérie a fait circuler un projet de résolution exigeant un cessez-le-feu immédiat et l'arrêt de l'offensive sioniste meurtrière contre Rafah, mettant en avant l'ordre en ce sens de la Cour internationale de justice. Avec nous en ligne, à partir de New York, Monsieur Romualdo Chiora, merci d'accepter notre invitation. Vous êtes directeur de l'Observatoire politique et géopolitique des États-Unis. Monsieur Romualdo Chiora, pourquoi les États-Unis aujourd'hui ont-ils décidé de présenter une telle résolution et d'impliquer le Conseil de sécurité des Nations Unies? Il faut d'abord prendre en considération que la politique américaine en ce qui concerne le conflit à Gaza est depuis le départ assez incohérente. On a d'un côté un président américain qui dénonce les exactions commises à Gaza par l'armée israélienne et qui en même temps continue d'envoyer du matériel militaire qui ne pourra que servir à ces mêmes exactions. Donc il y a déjà une incohérence manifeste dans la politique américaine depuis le départ. Mmh. Ensuite également des signes de faiblesse manifestent de la puissance américaine qui est en train de perdre sur l'échiquier international son influence. On voit quand même aujourd'hui les États-Unis d'Amérique obligés de construire un port artificiel d'un coût avoisinant 360 millions de dollars pour acheminer l'aide humanitaire nécessaire aux Gazaouis, tout simplement parce que
que Israël, qui est une puissance inondée d'argent de la part des États-Unis et qui existe essentiellement grâce au soutien américain sur le plan international et militairement grâce au soutien américain depuis plusieurs décennies, empêche un acheminement suffisant pour les habitants de la bande de Gaza. On marche un petit peu sur la tête face à cette incohérence. Donc, pour répondre directement à votre question, pourquoi les États-Unis ont-ils décidé de présenter au Conseil de sécurité une résolution soutenant le plan de paix proposé par Israël, qui est un plan de paix américain, pour les choses telles qu'elles sont, oui. Tout simplement pour une simple raison, c'est-à-dire donner le sentiment à la communauté internationale que les États-Unis, que Joe Biden reprend la main dans le dossier. Cette proposition est tout à fait cohérente et à titre personnel, je la soutiens, mais il n'était pas nécessaire en soi de proposer une résolution en vue de la soutenir au Conseil de sécurité, puisque la plupart des acteurs internationaux soutiennent cette proposition. Donc, si les États-Unis aujourd'hui souhaitent proposer une résolution en faveur du soutien à cette proposition de paix, alors que cela n'était pas nécessaire juridiquement, c'est tout simplement parce que cela leur permet de, comme je le disais, reprendre la main sur la scène internationale, de se remanifester à l'ONU et de donner l'impression que les États-Unis sont à nouveau à l'initiative. Il ne faut pas y voir grand-chose de plus. Surtout que dans le même temps, la politique un petit peu incohérente de Washington se poursuit, puisque, si je ne me trompe, ils ont dit qu'ils allaient s'opposer à la résolution qui devrait être proposée par l'Algérie d'une demande de, non pas de cesser le feu, mais qui demanderait de cesser les opérations militaires à Rafah. Et les États-Unis ont décidé de s'opposer à cette résolution, qui pourtant, me semble-t-il, je n'ai pas lu les détails de la résolution, mais pour ce que j'ose en comprendre, me semble aller dans le même sens que celle qu'ils proposent. Donc bref, ne voyons pas plus dans cette proposition de résolution qu'ils vont soumettre au Conseil de sécurité qu'une volonté manifeste de donner le sentiment qu'ils reprennent la main alors qu'ils l'ont perdu dans ce dossier et qu'ils sont en train de la perdre dans le dossier ukrainien. Alors, ils lèvent la main pourtant à chaque fois qu'il y a une résolution et s'opposent à tout type de résolution, au mieux ou dans le meilleur des cas, s'abstiennent. L'ambassadrice des États-Unis à l'ONU a appelé les membres du Conseil de sécurité à parler d'une seule voix, s'opposer à des résolutions de façon constante et puis ensuite demander au Conseil de sécurité de parler d'une seule voix quand il s'agit d'à peu près de la même démarche. Est-ce une politique bicéphale à laquelle nous assistons actuellement, monsieur Romualdo Tuora? Oui, tout à fait. Une position donc bicéphale, une politique, je dirais, totalement unilatéraliste même. C'est-à-dire qu'on a un petit peu l'impression d'être revenu aux grandes heures de George Bush fils, à ne pas confondre avec George Bush père, qui lui avait une vision multilatéraliste des relations internationales. On a un petit peu l'impression de se retrouver avec si vous n'êtes pas avec nous, vous êtes contre nous. C'est-à-dire, je m'oppose à toutes les résolutions, quelles qu'elles soient, mais moi, quand j'en présente une, vous avez tous à me suivre et à pas lever la voix contre ce que je propose. Donc, on a un petit peu l'impression, oui, à se retrouver en 2003, à l'époque de George Bush, peu avant l'invasion illégale de l'Irak en 2003. Si vous n'êtes pas avec nous, donc, vous êtes contre nous. Exactement. Donc, on a un petit peu l'impression, je suis démocrate, donc, enfin, ma défense du Parti démocrate n'est pas en question. Par contre, il faut quand même admettre que bien souvent, lorsque les démocrates, surtout ces dernières années, sont au pouvoir, on a un petit peu l'impression d'assister à une politique néoconservatrice en ce qui concerne les relations internationales. Donc oui, cette position, si vous n'êtes pas avec nous, vous êtes contre nous, je m'oppose à toutes les résolutions, mais vous avez à voter pour celle que je vais présenter, est un petit peu une politique qui ressemble à celle des néoconservateurs et qui n'est pas vraiment une politique qui s'inscrit dans le paysage multilatéral prôné par normalement la politique des présidents démocrates américains. Donc oui, c'est un petit peu étrange, mais comme je le disais précédemment, vous savez, aujourd'hui, il faut voir les choses telles qu'elles sont. Sur la scène internationale, les États-Unis sont en train de perdre la main, ont perdu la main. Nous sommes en train d'aborder le monde post-Amérique. Les États-Unis vont demeurer pendant longtemps une grande puissance, encore la première puissance militaire et économique mondiale, oui. Pour quelques décennies. Oui. Mais nous sommes déjà dans l'ère post-américaine. Regardez le dossier ukrainien. Enfin, l'Ukraine est malheureusement en train de perdre la guerre. Les États-Unis ont très mal géré le dossier, etc., etc.
Ce qui est le même cas avec le dossier israélo-palestinien. Au cours des trois dernières années, on ne peut pas dire que Joe Biden ait fait grand-chose pour relancer le projet à deux États. Loin s'en faut. On a presque l'impression qu'il s'était inscrit dans les pas de son prédécesseur Donald Trump, avec les accords d'Abraham. Et pourtant, lors de la 78e Assemblée générale des Nations Unies, Joe Biden a évoqué le principe de deux États pour deux peuples. Aujourd'hui, il en parle très peu et beau temps touche. Oui, alors, il faut voir les choses telles qu'elles sont. Joe Biden, c'est quelqu'un qui a toujours soutenu la solution à deux États. Néanmoins, il n'a rien fait depuis qu'il est à la Maison-Blanche, véritablement, pour relancer le processus. Rien du tout, même. Donc oui, il peut, lors d'une ouverture de l'Assemblée générale, comme la plupart des chefs d'État occidentaux, relancer, enfin revenir là-dessus et vanter son soutien à la solution à deux États, blablabla. Cela ne mange pas de pain. À côté de cela, rien ne se passe, même en coulisses. Donc il y a, je dirais pas spécialement une forme d'hypocrisie, mais une forme d'un petit peu, oui c'est ma position, mais n'allons pas trop contrecarrer la politique israélienne, laissons les choses telles qu'elles sont et on verra ce que mon successeur pourra faire. Voilà le résultat de la politique israélo-palestinienne de la Maison-Blanche. On s'est retrouvé aujourd'hui avec l'attaque de 7 octobre et on s'est retrouvé avec des représailles disproportionnées. Totalement disproportionné. Aujourd'hui, on assiste à ce qu'il faut quand même bien appeler des crimes de guerre. Donc, malheureusement, si on se retrouve dans cette situation et dans une situation qui ne devrait guère évoluer, en espérant que nous arrivions à un cessez-le-feu, est-ce que la solution à deux États sera-t-elle véritablement relancée? Je crains que l'on se retrouve à nouveau dans un statu quo. Imaginons que la proposition de paix puisse être appliquée demain. Nous allons surtout assister pendant les 2-3 prochaines années à la reconstruction de Gaza. Et je crains, même si Biden est réélu ou si un démocrate, Kamala Harris par exemple, était élu, si Biden se retirait de la course en janvier prochain aux États-Unis, je crains que le statu quo malheureusement demeure et que la solution à deux États soit encore reportée au calendrier grec. Surtout que si je comprends bien et analyse bien la situation, comme vous le savez très bien, Netanyahou n'a aucun intérêt à se retrouver dans un état de paix. Il se pourrait que si un cessez-le-feu est appliqué à Gaza, un nouveau front s'ouvre à la frontière avec le Liban. Netanyahou semble vouloir aujourd'hui dire à son électorat, voyez, je suis la seule figure qui a pu tenir tête aux États-Unis et aussi à préserver le soutien de l'Amérique pour nous. De son côté, Joe Biden semble dire, voilà, je suis là pour imposer des résolutions. Est-ce que nous ne serions pas en train plutôt d'assister à des coups de théâtre, on va dire, politiques avec des objectifs électoraux? Tout à fait. Alors, je dirais pas tout simplement des objectifs électoraux. Je dirais, pour ce qui est Netanyahou, il s'agit plutôt d'essayer de sauver sa tête. C'est ça. Netanyahou est impopulaire en Israël. Nous savons très bien que s'il y avait des élections demain, il les perdrait. Et il sait très bien que du jour où le conflit s'arrêtera, une commission d'enquête sera exigée sur les événements du 7 octobre et nous savons très bien que de là, on découlera sa démission, soit à l'issue des élections ou soit de façon anticipée. Et il sait également très bien, comme nous tous, qu'une fois qu'il ne sera plus Premier ministre, il devra faire front à la justice et qu'il a toutes les chances de se retrouver en prison, sans parler du mandat d'arrêt international qui devrait être lancé par la Cour pénale internationale. Donc on peut dire que le destin de Netanyahou, le futur Netanyahou, est assez sombre. Donc il a tout à fait intérêt effectivement à ces coups de théâtre dont vous venez de parler et à poursuivre la guerre quelle qu'elle soit, si ce n'est plus du côté de la bande de Gaza, si cela ne peut être en Cisjordanie, allons-y pour le Liban. Cela ne mange pas de pain, il pense que l'Iran se tiendra plus ou moins tranquille et si les choses devaient à nouveau s'enflammer avec l'Iran, ce n'est pas quelque chose, je pense, qui le dérangerait. Tant qu'Israël sera en conflit ouvert avec ses voisins, comme cela est le cas depuis maintenant de nombreux mois, et Netanyahou peut espérer se maintenir au pouvoir. Pour ce qui est de Biden, oui, là on est dans, évidemment, on est en pleine campagne électorale, il faut voir que le conflit à Gaza a été, sur le plan électoral, un casse-tête pour le président américain. D'un certain côté, au départ, il a eu peur de ne pas soutenir assez Israël et de perdre une grande partie de l'électorat juif américain. Il s'est entre-temps rendu compte que la grande partie, si ce n'est la plupart de la communauté juive américaine, est opposée à ce qui se passe à Gaza et opposée à la politique de Netanyahou. Donc les juifs de la diaspora aux États-Unis ne soutiennent pas dans leur grande majorité
Netanyahou. On l'a vu avec toutes ces manifestations qui ont pu avoir lieu, que ce soit dans la gare centrale de New York, Not in My Name, où de très nombreux juifs ont été arrêtés, enfin des centaines ont été verbalisés ou arrêtés parce qu'ils protestaient contre la politique israélienne, etc., ou la plupart des étudiants juifs des universités américaines. Donc, à partir de ce moment-là, Biden s'est rendu compte que la communauté juive ne soutenait pas tout à fait la position israélienne et qu'il était en train de se mettre à dos la population arabe, la communauté arabe aux États-Unis, qui est localisée en grande partie dans ce qu'on appelle les swing states, c'est-à-dire les États qui vont décider du résultat de l'élection le 5 novembre prochain, dont la Pennsylvanie. Sans oublier, je le répète, que Biden, à titre personnel, ne peut pas saquer, si je vous me permets l'expression, Netanyahou, et ne soutient en rien la politique de colonisation de Netanyahou. Il essaye de naviguer un petit peu entre les eaux avec l'élection de novembre. Et dans ces eaux, il semble avoir le soutien du Hamas, puisqu'au sujet de ce projet de résolution, le Hamas indique qu'il considérait le projet de manière positive, au moment où Netanyahou le juge incomplet. N'est-ce pas un paradoxe de fin de parcours, j'allais rajouter? Oui, écoutez, c'est un certain paradoxe. Mais de toute façon, comme je le disais depuis le départ, on est vraiment dans une succession de paradoxes. Oui, il est assez ironique, si je puis dire, et entre guillemets, considérant la gravité de la situation et le sort des Gazaouis aujourd'hui, de voir qu'une organisation, le Hamas, considérée par les États-Unis comme terroriste, soutient le plan de Joe Biden, alors que Netanyahou, premier ministre d'un gouvernement allié des États-Unis et qui militairement ne pourrait exister sans le soutien américain, rechigne à appliquer ce plan. Oui, il y a une forme d'ironie, bien évidemment. Les États-Unis vont tout de même continuer à livrer des armes à Netanyahou. Oui, là on est dans un paradoxe. On regardera ça, je vous dis, comme je le disais, étonnement dans les prochaines années. Un pays qui s'oppose à la politique israélienne dans la bande de Gaza, mais qui dans le même temps continue à lui livrer les armes qui lui permettent de mener cette politique. Oui, on est en plein paradoxe. Monsieur Romuald Otiora, merci infiniment d'avoir été avec nous. Je vous en prie. Et de nous avoir accordé de votre temps. Merci beaucoup, monsieur. Merci, au revoir. Romuald Otiora est directeur de l'Observatoire politique et géopolitique des États-Unis, spécialiste de l'ONU et des relations internationales, et il était avec nous à partir de New York. Au sein d'une Knesset bâtie sur les décombres usurpés de ce qui reste de la Palestine ancestrale, s'expriment des extrémistes aux propos fétides et génocidaires. Leur ministre de la guerre lançait à sa meute « Nous combattons des animaux à raza ». À cet indécent, les résistants palestiniens répondront que ces chacals de réserve, pyromanes et peu rusés, combattent, pour peu que cela soit un combat, des lions qui connaissent et respectent les règles de la guerre, des combattants qui ne font pas des civils et des enfants des cibles, une résistance qui tient en échec les puissances du monde, les dénude et vide leur diatribe, déjà truffée de non-sens. Cet État qualifié de puissance régionale, dopé par l'industrie de l'armement, maintenu artificiellement par des milliards de dollars injectés à profusion, cette entité se plaît par couardise à tuer des enfants, 15 000 au total, s'amuse à piller des maisons, à pilonner des camps de réfugiés, pilonner, décapiter, puis exulter, est leur unique feuille de route. L'image de ce père pourtant haut le corps de son enfant sans tête fait le tour du monde, provoque choc et indignation. S'en suivront des gesticulations diplomatiques, des propositions de trêve, des palabres et des visages de circonstances aux mines fermées. Aussitôt et dans un pied de nez, car là, la décence m'interdit d'aller au-delà de cette expression. Cette milice, faite de mercenaires et de criminels rengaine, tue encore et encore, galvanisée par ses ordonnateurs qui donneront le là, un tempo fait de gestes odieux et de cris de haine racistes lors d'une marche dite « marche des drapeaux ». Aujourd'hui, cela fait 56 ans que nous avons Jérusalem. Et maintenant qu'elle est à nous, nous l'apprécions et nous dansons avec le drapeau. Nous sommes très heureux aujourd'hui. En Palestine occupée, les survivants d'aujourd'hui seront le fer de lance de la résistance de demain. Cette occupation aveugle demeure ce mauvais élève, le dernier de la classe, le dernier à comprendre que c'est de cette oppression que naissent les combattants de demain.
Avec nous en ligne, à partir d'El Quds s'occupait Monsieur Sami Bouhlifa. Merci d'accepter notre invitation. Vous êtes journaliste, grand reporter. Vous étiez hier à cette marche, dite la marche des drapeaux. Que reflétait-elle précisément? Malheureusement, comme chaque année, c'est un spectacle de désolation, c'est un déferlement de haine, un racisme décomplexé, une haine à l'état brut, véritablement. Ce sont des hordes de colons israéliens qui déferlent à l'occasion de ce jour dans la vieille ville de Jérusalem, Jérusalem Est, donc partie de la ville occupée et annexée illégalement par les forces d'occupation israéliennes. Et malheureusement, comme chaque année, la police contraint les commerces de fermer, les commerces des Palestiniens, et donc les Palestiniens sont confinés chez eux de force, et ils assistent au pied de leur maison à un déferlement de haine, des insultes, des crachats, des slogans d'une violence inouïe, mort aux Arabes. Malheureusement, ce spectacle se répète chaque année, et les Palestiniens sont obligés d'assister à ça, impuissants, sans pouvoir réagir. Parce que oser réagir, c'est finalement aussi prendre le risque de se faire arrêter. Les forces de sécurité sont là pour, on va dire, épauler, semble-t-il. Leur mission est claire. Ils sont là surtout pour protéger les citoyens israéliens, les colons qui sont là et qui défilent. Les Palestiniens, malheureusement, n'ont pas voix au chapitre. De toute façon, on peut assister à des scènes terribles parce qu'à chaque fois qu'il y a un Palestinien qui est aperçu, et d'ailleurs il y a eu un confrère palestinien qui a été attaqué hier, un confrère journaliste qui a été attaqué, qui a été lynché par ces jeunes colons, et derrière il n'y a absolument aucune répercussion, il n'y a pas forcément d'arrestation ou de poursuite contre ces colons, c'est une impunité totale, et que ça soit à Jérusalem-Est ou dans les territoires palestiniens, malheureusement les colons jouissent d'une liberté totale et d'une impunité totale. Depuis hier soir et jusqu'à ce matin, les forces d'occupation ont procédé à l'arrestation de 60 Palestiniennes et Palestiniens en Cisjordanie, ce qui porte le nombre d'arrestations à 9100 depuis le 7 octobre. Vous avez eu à les rencontrer, que vous disent-ils ? Les Palestiniens, malheureusement, en fait, sont sous un régime d'occupation et de répression brutale. Souvent, lorsqu'ils sont arrêtés, ils sont victimes de ce qu'on appelle ici une détention administrative, c'est-à-dire qu'ils ne connaissent même pas les charges qui leur sont reprochées. L'arrestation se fait sur la base d'un dossier secret, même leurs avocats, qu'ils soient palestiniens ou même parfois israéliens, membres d'organisations de défense des droits de l'homme, s'ils souhaitent connaître ce dossier, eh bien ce dossier est considéré comme secret. La détention administrative est en principe pour une durée maximale de 6 mois, mais renouvelable indéfiniment. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, il y a des Palestiniens qui croupissent derrière les barreaux des forces d'occupation depuis des années, sans même savoir ce qui leur est reproché. Sami Bouhlifa, vous avez eu à rencontrer, à interviewer des Palestiniens qui ont été libérés. Ils vous racontaient dans leurs témoignages comment ils ont été torturés. Il s'agit donc de Palestiniens de Gaza, effectivement, avec qui j'ai pu m'entretenir. Donc depuis le début de ce dernier épisode de guerre, en tout cas depuis le 7 octobre, les forces d'occupation israéliennes arrêtent de manière indiscriminée les Palestiniens dans Gaza. Ils sont ensuite envoyés vers une prison secrète, enfin une prison en tout cas israélienne, des forces d'occupation israéliennes, où ils sont effectivement torturés. Ils gardent les yeux bandés, les mains entravées. Ils peuvent passer plusieurs heures chaque jour, jusqu'à 21 heures par jour à genoux. Ils subissent des sévices, ils subissent de la torture, et c'est ce qu'ils nous racontent. Certains d'entre eux ont fini par être libérés parce qu'il n'y a rien à leur reprocher finalement. Et donc ils sont renvoyés à Gaza. Et il y a une ONG de défense des droits de l'homme ici qui a même rapporté le cas d'une arrestation d'une vieille dame palestinienne à Gaza, âgée de 82 ans. Les forces d'occupation israéliennes lui reprochaient d'être une combattante du Hamas, alors que la vieille dame souffrait en réalité d'Alzheimer. Ça ne les a pas empêchés de l'arrêter, de la maintenir plusieurs jours en détention avant qu'elle ne soit libérée et renvoyée vers la bande de Gaza. Ces témoignages sont appuyés par des témoignages ou d'autres témoignages, en l'occurrence de médecins de l'armée d'occupation.
Il s'agit effectivement d'un témoignage qu'on a pu faire cette dernière semaine. C'est un médecin qui a été sollicité, donc israélien sollicité par l'armée. Et en fait, c'est un médecin qui a décidé de prendre la parole, de dénoncer ce qui se passe, parce que il le dit clairement, c'est contre les conventions de Genève, c'est contre l'éthique même d'un médecin. Il y a le serment d'Hippocrate. On est censé soigner ses patients, on n'est pas censé les torturer ou leur faire subir des sévices. Et donc ce médecin a choisi de prendre la parole et de dénoncer ce qui se passe dans les prisons israéliennes, ce dont il témoigne, des actes de sévice, de torture à la fois physique et psychologique également. Plus de 30 Razaouis, essentiellement des femmes et des enfants, ont été assassinés cette nuit lors du bombardement de l'école de l'UNRWA qui les hébergeait dans le camp de Nusayrat. Ce matin, vous me disiez, il y a beaucoup de travail, notamment ce bombardement brutal qu'il va falloir couvrir. J'ai travaillé effectivement sur ce bombardement. Malheureusement, comme vous le savez, la bande de Gaza est interdite d'accès par les forces d'occupation israéliennes à la presse étrangère. Et donc, nous ne pouvons couvrir qu'à distance. Moi, je travaille aussi avec des collègues gazaouis que je connais personnellement parce que j'ai eu l'occasion dans le passé de rentrer dans la bande de Gaza. Donc, j'ai des témoignages de premier ordre, de premier plan qui me viennent directement de la bande de Gaza. Et donc, encore une fois, ce sont des bombardements et des frappes indiscriminées contre une population démunie qui n'a nulle part où s'abriter, pour qui ces écoles de l'UNRWA, donc qui est l'agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, sont censées être un lieu où trouver refuge, et finalement, ils n'échappent pas aux bombardements israéliens. Les forces d'occupation israéliennes parlent ce matin d'une école d'allégation, enfin d'une école utilisée par les combattants du Hamas comme une base. Comme à chaque fois d'ailleurs. Voilà, comme à chaque fois, enfin, il faut pas oublier non plus qu'il y a une dizaine de jours, il y a eu un camp de déplacés qui a été bombardé dans la région de Rafah, oui. Avec ces images terribles qu'on a pu voir de corps calcinés, d'enfants décapités par la puissance des déflagrations. Et encore une fois, l'émotion parfois, on ne comprend pas trop, parfois elle est sélective, parfois il y a une indignation internationale, mais finalement ça reste des mots pour le moment. Et aujourd'hui, il y a encore cette frappe qui va sans doute rester encore une fois impunie. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, l'armée d'occupation, les forces d'occupation appliquent au pied de la lettre leur dessein. Hier, ils chantaient à El-Quds, effacez-les tous. Alors, il ne faut pas oublier aujourd'hui qui est le gouvernement, qui dirige le gouvernement israélien. Ce sont des militants de l'extrême droite qui autrefois étaient eux-mêmes classés comme organisation terroriste dans leur propre pays. Ils ont pris le pouvoir et ils maintiennent une occupation brutale et une répression sans faille contre la population palestinienne. Vous faites allusion au ministre de la Sécurité nationale israélien qui s'appelle Itamar Ben-Gvir, c'est un suprémaciste juif, oui. Qui fait preuve d'un racisme complètement décomplexé, qui voudrait l'éradication, oui, des Palestiniens, il l'a dit à plusieurs reprises, ou en tout cas maintenir une présence palestinienne sur les terres palestiniennes à condition d'avoir une population complètement soumise. Et ce ministre est un pyromane parce qu'il souhaiterait aussi s'attaquer au statu quo en vigueur autour des lieux saints musulmans. En particulier, hier on l'a entendu, il ne faut pas oublier que l'esplanade des mosquées Al-Haram al-Sharif et donc la mosquée Al-Aqsa, c'est le troisième lieu saint de l'islam. Oui. Et lui, ce qu'il souhaiterait, c'est changer le statut de ce lieu. Il dit et il le revendique clairement comme appartenant aux juifs. Sami Bourlifa, merci infiniment d'avoir été avec nous et d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Merci beaucoup, Sami Bourlifa. Merci à vous. Sami Bourlifa est journaliste, grand reporter, et il était avec nous à partir d'El-Quds occupé. Ont participé à ce programme Anwar Nour Mahamat, juriste spécialiste en droit international, du contentieux, de l'arbitrage international auprès des juridictions et des tribunaux internationaux. Romualdo Tiora, directeur de l'Observatoire politique et géopolitique des États-Unis, spécialiste de l'ONU et des relations internationales.
Sami Boukhlifa, journaliste, grand reporter. L'histoire en marche a été réalisée par Jalil Akhdar, coordonnée par Sami Hahel et Marim Abdou. Vous a accompagné au micro, j'aurai le plaisir de vous retrouver jeudi prochain à partir de 16h. Merci de votre fidélité, à très bientôt, Inch'Allah.